Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là je vais aller préparer le gâteau, enfin, finir le gâteau, préparer la maison cet après-midi. On doit être une dizaine de personnes. Donc en fait on fait mon anniversaire et celui des jumeaux avec nos amis. Voilà. Qui joue tranquillement. Donc voilà, je viens de finir mon gâteau vanille pistache. D'après ce qu'on a pu goûter de la crème, elle est super bonne. Donc plus qu'à goûter avec le biscuit, je pense que ce sera encore meilleur. Donc là, je vais attaquer mon deuxième gâteau. Donc là, il est 14h. Je viens de terminer les deux gâteaux que j'avais à faire. Donc j'en ai fait un à la pistache et un à la Nutella. Mon chéri est en train de passer l'aspirateur pour m'avancer. Je viens de mettre les petits au lit. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils sont juste derrière en fait. Et ils n'ont pas très envie de dormir, mais bon, hein, ils n'ont pas le choix. Moi, je me suis tachée avec du colorant alimentaire là et par là. Parce que ça a giclé en fait. Du coup, je m'en suis foutue partout. Enfin bref, du coup, comme je vous disais, là, je vais me laver. Après. Je prépare mon salon, je range bien mon jardin et après j'irai chercher ma copine parce que j'ai une copine que je dois aller chercher. Elle habite à 5 minutes avec son loulou. Et ensuite, les invités vont tous commencer à arriver. Donc je pense pas que je vous filmerai l'anniversaire ou alors quelques passages genre gâteau et tout, mais voilà quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là, il est 14h15, je pars chercher ma copine et ensuite, le temps que je revienne, je pense que les invités vont arriver. Comme ça, je vous montrerai aussi mes gâteaux. Jolie table avec plein de bonbons. Oh, il fait un câlin au cadeau. Il fait un câlin au cadeau. Oh là là, c'est beau. C'est 15? Ouais, on va commencer à les allumer. Bravo mon cœur. Bravo. Tu l'as soufflé en deux. Voilà le petit bazar. Là-bas, il y a mes petits cadeaux. Et il faut tout nettoyer. C'est vraiment le bordel. Non, je les montrerai tout à l'heure. Donc voilà, on vient de coucher les petits. Luna est au lit aussi parce que demain il y a école. Il est 21h30. On a seulement fini de manger et pris le tiers que d'habitude on le fait à 8h. Donc on a terminé assez tard l'anniversaire. C'était super sympa, franchement j'étais trop contente. J'ai pu revoir des copines à moi que je n'avais pas vues depuis un moment parce que, bon, avec les enfants, la distance est un peu compliquée. Sinon, j'ai eu de super cadeaux, franchement j'étais trop contente. On s'est tous bien amusés, on a tous bien rigolé. Mes copines entre elles ne se connaissaient pas, du coup elles ont pu faire connaissance. Donc franchement c'était vraiment super. Franchement je suis trop contente, ça fait depuis des années que je n'avais pas fait mon anniversaire. Et ça fait du bien, voilà, ça remonte vraiment le moral. Puis on est entouré de nos amis, donc bon. C'est sûr que ça donne vraiment plus envie de le fêter que de le fêter seul quoi, ou avec juste son chien. Voilà. Bon après, hein, chacun le fait comme il a envie, hein, je dirais. Mais voilà, moi ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Super, super. Oh, j'arrivais plus à parler. Je suis mais fatiguée. Avec les deux gâteaux que j'ai fait, on a tout rangé. C'était le bordel. Je sais pas, vous avez dû voir dans la vidéo juste avant. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, mon chéri est à fond sur le jeu Fortnite, donc c'est pour ça que vous l'entendez. En plus, il a son casque, il voit même pas que je suis en train de faire une vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai eu.
Alors déjà, j'ai eu une petite serviette pour la sortie de la douche. J'ai jamais testé, donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai eu un mascara de la marque Rimmel. Oh, focus. Voilà. Avec un eyeliner. Ça tombe bien, j'en avais plus du tout. Et j'ai eu un crawl pour les sourcils. Moi, surtout, c'est la couleur que je mets actuellement, donc c'est nickel. Et puis, un petit échantillon d'une petite eau de toilette. Donc, je ne connais pas, je vais tester. Alors, ensuite, je vous ai pas dit, c'était aussi l'anniversaire des jumeaux. Donc, j'ai eu ce magnifique petit tableau. Je trouve trop beau, donc je pense qu'il va aller par là dans ma déco. Ou je sais pas encore, mais je sais pas, je le voyais bien ici, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le vois bien ici à la place du cadre. Donc faut vraiment que je voie comment je vais installer tout ça ou mettre ça là-bas vers mon bureau, je sais pas encore. Après j'ai le mur là qui est tout blanc, je sais pas quoi mettre ici. Donc à voir. Voilà, là ça va rechanger la déco. Sinon, ensuite j'ai eu par ma copine Daisy cette bougie. J'adore ce style de bougie, en plus c'est trop mignon. Et franchement, l'odeur c'est un truc de fou, elle sent vraiment trop bon. Fleurs de printemps. J'ose même pas les brûler, elles sont tellement belles. Elle m'a aussi offert celle-ci. Alors moi je suis une fan de bougies pour ceux qui ne le savent pas encore. Elle est trop trop belle celle-ci. Et pareil, elle sent trop bon. Donc en fait, elle s'ouvre ici. Voilà. Pour l'allumer. Ah, j'adore. Et celle-ci, c'est à la pivoine. J'ai eu cette petite bougie aussi. Aux fruits des tropiques. Alors celle-là, c'est pareil. Elle sent super bon. Donc c'est une bougie spéciale anniversaire. Et j'ai adoré le petit packaging, en fait. C'est trop mignon. Elle m'a aussi offert ça. Donc nature fraise et chantilly ambiance air. Donc ça j'en ai jamais eu. Donc je vais tester, je ne connais pas du tout mais ça m'a l'air bien sympathique. Elle m'a aussi offert ce petit coffret de gel douche. Donc Omonoi et vanille bourbon, franchement je les ai sentis. Waouh, l'odeur elle est vraiment top top top. Ensuite elle m'a aussi offert un lot de 6 verres. Donc avec des petits flamants roses, des cactus, des ananas, exactement le style que je voulais m'acheter justement. Et j'ai craqué dessus quoi. Franchement, elle a tapé dans le mille. Ensuite, j'ai eu aussi cette tasse par une de mes copines. Donc c'est Mélodie. J'adore, bah moi les flamants roses, tout ce qui est flamants roses, cactus. Donc voilà, comme je vous disais, hein, je ne sais pas si je vais continuer l'aventure des vlogs parce que mon chéri n'est pas très très chaud pour que je continue. Il me l'a clairement fait comprendre et après tout ce qui est parc d'attractions et tout ça ne l'embête pas que je fasse, mais les vlogs, on voit notre vie et tout, il est pas chaud. Donc voilà, j'ai tenté, ça ne fonctionne pas par rapport à lui. Donc je vais réfléchir encore quelques jours de savoir si je continue pas. En tout cas, merci à tous de me suivre, de m'avoir suivi, vu que je ne sais pas encore ce que je compte faire. Je vous fais des gros gros bisous, peut-être à demain, je ne sais pas, peut-être à la prochaine. En tout cas, merci à tous et je vous envoie des énormes bisous. Ciao.